Yo, petit disclaimer en début de vidéo, juste pour vous dire les gars qu'avec Monsieur Brocoli et moi-même, on n'est pas là pour critiquer à mort la map de Le Bouzeux, on n'est pas là non plus pour le sucer à mort, on voulait juste donner notre avis qui soit objectif et sincère. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, on est bientôt 40 000. D'ailleurs, la chaîne de Monsieur Brocoli est en description, donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux que ça intéresse. Et s'il y a 10 000 pouces bleus sous cette vidéo, je noterai la map avec Ewards. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, moi je vous souhaite un bon visionnage. Cocteau, c'est ton ami. Soutiens-le dans la boutique et il sera ravi. Vas-y, moi je prends côté droit. En vrai, le côté le plus facile c'est quoi? C'est gauche, non? Ouais, gauche large. Ouais, gauche large, ouais. Go. Vas-y, je te laisse faire. Hein. Ouais, tu regardes? Ah, t'inquiète. Il faut que t'avances, non? Bah non, mais genre en gros, on va noter à... Ok, bah la première étape, bah, c'est triple edit, normal. En vrai, triple edit, moi j'aime bien. Hein. Tu mettrais quoi comme note sur 10? En vrai, moi je mettrais un 9. Hein, en vrai, bah, 8 sur 10. C'est basique. En vrai, c'est. Moi, j'ai du mal encore à faire passer comme ça one shot. Hein. Bah, je sais pas, c'est basique, c'est normal. Y a... Ouais. Pas vraiment original, du coup, je mets 8. Je pense. En vrai, ça, tu vois, ça fait penser à la bousille 1 en vrai. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Tu vois. Ah, c'est là, je dois prendre bien. Un grappin là. Vas-y, vas-y. Ouais, ça, c'est sympa en vrai. Ça, t'aimes bien toi? Ouais. Alors, je sais pas, c'est drôle. Ouais, en vrai, ça change, tu vois, c'est cool. De te faire passer du coup. Moi, franchement, cette épreuve là, je l'ai vu sur Twitch quand il avait fait la map, mais moi, je l'aime bien celle-là, tu vois. Ça, je dois double dit reset. Ouais, celle-là, je l'aime bien celle-là. Ouais, ça, c'est cool aussi. Celle-là, je mettrais quoi? Je mettrais 9. Celle-là, 9, celle-là là. Ouais, en vrai, moi, je trouve, elle est pas. Franchement, moi, 9 aussi. Elle est originale, si j'en ai jamais vu comme ça. Attends, c'est quoi, toi, là-haut déjà? Moi, j'ai de la glace. Ah, toi, t'es avec la glace. Ouais, ça, c'est chiant, par contre. Ouais, moi, en vrai, je suis pas forcément fan, tu vois. Je trouve, elle demande pas vraiment de technique d'édit et tout. Ouais, c'est. Moi, je mettrais 6. Ouais, moi je mettrais pareil, 6 en vrai. Là de mon côté, c'est. Tu vois ça? Comment faut faire pour passer ça? Il faut des double bind? Non, moi j'ai pas de double bind. Ah ouais? Parce que regarde. Ouais, bah c'est comme le Bousy 3, il a fait la même chose. Ça? En vrai, ça, moi je dirais ouais, 7, tu vois, c'est basique hein. Tu vite, faire. Ouais, ouais. Ah, je sais pas, moi j'ai la génétique qui bloque. Vas-y, après j'ai ça là. Ça, tu vois, ça, moi j'aime bien ces preuves là, c'est toujours simple. Et... Ça, j'ai la même chose chez moi. Ça, ah, okay. Je mets 7, pas plus, ouais. Parce que c'est pas original du tout, c'est trop répété. Ouais, après moi j'aime bien, tu vois. Mais ça, ouais. Après les 90, bon bah ça c'est vraiment. J'ai même pas envie de noter, tu sais, c'est basique quoi. Hein. 90. Ouais, 90 quoi. En plus, en vrai, j'ai des tapes bizarres. Hein. Attends, moi je dirais. Bah, tu sais, les 90, moi je mettrais 6. En vrai, je trouve que c'est un peu chiant les 90 maintenant. Ouais, je sais pas. Après, t'es obligé. T'as bien cette épreuve là? Pas particulièrement, je sais pas. En vrai, genre. Ouais, je sais pas en fait. Attends, je vais conduire. Tu vas conduire? Vas-y. Ouais, en fait, c'est moi je conduis, je ramène là et toi tu rentres dedans. Ouais. Et tu mais tiens, j'ai hâte de savoir, t'en penses quoi de cette épreuve là, tu vois? Celle-là? Ouais. C'est triple edit vers le bas, ça c'est drôle. Ça c'est drôle en vrai, ça va. Ah, t'as bien. Moi je trouve que c'est pour un truc duo, c'est bien pensé, tu vois. Ouais, c'est drôle, c'est drôle. Attends, le quad, t'as goût. Le code aussi, c'est drôle en vrai. Ah ouais, t'as bien, moi je trouve ça trop chiant. C'est un peu chiant, mais c'est drôle, merde, ce fail en plus. En fait, le problème c'est qu'il y a un bug quand tu recules et ben ça te fait un bug bizarre. Ok. C'est surtout ça le problème. Du coup, tu mettrais quoi comme note pour le caddie le quad? Le caddie, je vais mettre 8 parce que je trouve ça drôle. Ah, le quad, pareil, 8. Ah ouais, moi le quad j'aurais mis 7. Moi je suis un peu moins fan du quad, tu vois. Non, le quad, je mets 7 parce qu'il y a un vrai bug. Ah merde, faut que je t'envoie en l'air. Attends, c'est toi que je dois envoyer en l'air ou c'est moi en haut? C'est qui? C'est moi, mais on fait comment? Moi, j'aime bien cette épreuve là, là, je la trouve cool en vrai. Celle-là, elle est un peu dure parce qu'il faut essayer de la passer une fois en fait. Genre, ah, faudrait la one shot? Faut que je saute et en gros, genre, je tape en haut et après j'arrive à la passer une fois. Ah ouais. Ça, du coup, c'est un peu dur. Mais du coup, tu peux perdre pas mal de temps là-dessus. Ok. Alors là, c'est les butonio. Ouais, celle-là, je t'avoue, moi, je suis pas du tout fan. Non. Genre là, pour le coup. Ouais, c'est original, mais c'est. Ouais, c'est un peu. Pas. Faut moi, être au bon endroit et tout, voilà quoi. Moi, je vais mettre 7. Ah, 7, ouais. Alors là, c'est avec les nouveaux trucs là, avec les tapis là. Ouais, j'ai vu Ewars, là il fait des 90 ici, après il one shot sur le tapis, je sais pas si c'est quoi le mieux. Bah ça revient pas au même puisque de toute façon en fait. Ça revient au même puisque de toute façon moi je suis ici, tu vois, ensuite je vais continuer et c'est toi qui va m'attendre en fait. Putain mais. C'est ta touche. Par exemple, si tu tournes vers la gauche, ça va t'envoyer vers la gauche. T'avances. Ouais, c'est. J'avoue que c'est quand même, il y en a pas en arène. Faut que tu fasses deux fois. Attends, c'est bon, ça m'a saoulé. En vrai, j'avoue que je pense qu'il faut. J'en ai jamais utilisé, moi, je t'avoue. En fait, si tu vas vers l'avant, ça va te faire aller vers l'avant. Ok. En vrai, ça t'aime bien ça? Ouais, ça passe. Hein.
Bah moi tu vois, je suis ici, je le perfect d'un coup. Ouais, toi tu perfect d'un coup, ça va. Genre une demi-seconde pour moi. Et tu sais que cette épreuve, je suis déçu, je pensais qu'elle allait être trop bien, et finalement vous l'avez, genre, vous l'avez fait une technique et c'est trop chiant, tu vois. Bah ça c'est un peu comme le Boozy 3. Après t'as la même étape. Après t'as le mur surtout qui est chiant parce que ça t'a... Attends, mais pourquoi maintenant t'es en triangle, avant t'étais pas comme ça? Parce que quand j'hésite en 6, ça me fait perdre un peu de temps. Ah ouais. Voilà. Et en vrai, t'aimes, le mur est un peu chiant, du coup j'ai du mal à prendre. Et t'aimes bien cette étape là de A2 là? Ça va, je vais mettre 7. Ouais, moi j'aime bien l'original, en vrai ça change, tu vois. Ah, mais c'est surtout le mur qui est trop. En fait, ouais, c'est trop. J'ai devrais faire un système où genre ça change rien, tu puisses. C'est pareil, regarde. Là, le problème en fait, c'est que tu vois, voilà, là, y a un mur. Du coup, je peux pas éditer ça. Ouais, ça c'est... En vrai, cette épreuve, c'est une bonne idée, tu vois, mais putain, en fait, genre. Du coup, je suis obligé de prendre le mur sur le côté et après je tourne. Du coup, c'est. Ouais, je vois ce que tu. C'est ça le problème. Je vois ce que tu. Après, c'est trop chiant, je. Après, et encore, tu te débrouilles pas mal. Ouais, là, après. Ah oui, en gros, là, j'ai... Moi, j'ai trouvé une technique ici, c'est en gros, tu mets les chapeaux. Et du coup, t'as pas besoin de sauter. Ah ouais. Parce que tu mets un escalier, tu dois sauter. Et toi, tu gagnes du temps, toi, non? C'est ça? Ouais. Mais du coup, tout le monde a repris la même technique, du coup, je gagne pas, pas du temps. Du coup. Oui, enfin... Ah ouais, un chapeau. Et... Pas mal. Alors ouais, du coup, moi, je trouve vraiment bien. Celle-là, je trouve vraiment bien pour le coup, l'épreuve où il faut s'entraider et tout. Ah ouais, pareil, moi, je mettrais 9. Genre, tu sais, c'est une bonne épreuve, elle est bonne à dit, et en même temps, c'est l'entraide et tout. Bien pensé, ouais. Je build les légis, c'est cool. Moi j'ai bien aimé celle-là. Ah ouais, ça c'est l'épreuve un peu basique, ça, c'est rapide. Et ça, regarde, j'ai regardé, tu vas me dire si c'est bien d'avoir fait ça, genre en mode, genre t'édites comme ça là, genre tu préédites avant quand tu sautes. Attends, vas-y, casse. Ouais. Genre tu l'as fait comme ça et genre ton mate après il a juste à passer comme ça et réédite. Ouais, en fait ça sert à rien parce que de toute façon c'est toi qui m'attends à la fin. Ok, ok. Genre moi je vais prendre l'avance et ça sert à rien que je te fasse gagner du temps ici parce que du coup bah tu vois, je vais commencer à descendre. Après, t'auras juste à sauter, donc dans tous les cas, tu vas attendre. T'en penses quoi de l'épreuve où il faut, genre, ce que je fais là actuellement, là? Genre de. C'est des dites comme ça, là? Bah, elle est pas particulièrement bien ouvrée. Moi, j'aime pas forcément. Ouais. Je vais mettre 7, on va dire. Ah oui, là, faut que tu donnes, là. Comment on fait pour. Parce que moi, genre, tu passes tout one shot, là, mais comment. Regarde, je vais montrer après comment je passe, moi. Ouais. Quand t'as fini, tu me dis. En fait, avec Zivo, ce qu'on fait, c'est qu'on compte, et quand on est à un certain nombre, et ben l'autre, il saute. Ouais, mais comment tu fais? Genre, regarde la différence. Regarde. Moi, quand j'ai dit, tu vois, des fois, c'est qu'il faut des double mines, il faut sélectionner son sol dans sa main, il faut tenir son sol dans sa main. C'est quoi la technique en vrai? D'aller vite. De faire comme tout le monde, non plus vite. Ouais, mais genre, il faut tenir son sol dans sa main, il faut faire quoi? Non. Parce que tu prends ton sol, tu vas re-edit ton sol, du coup, c'est chiant. Ok. Bah, je sais pas, moi. Genre, bah, j'attends d'être devant le sol et j'édite. Ok, ouais, je sais pas. Pas particulièrement technique. Celle-là, elle est bien, mais elle est juste trop longue. Elle est beaucoup trop longue. Ouais, pareil, j'allais dire exactement pareil. J'allais dire, elle est bien, mais. Ouais, mec, vas-y, la descente, elle dure 2 heures. En tout cas, mais je rigole, y'en a un, il vient, il a fait en perfect. Ça me ferait trop rire. Et cette épreuve aquatique, moi, je l'aime bien aussi, hein. Je la trouve, elle est cool, tu vois. Ouais, pareil, voilà, j'aime bien l'épreuve aquatique. J'avais peur qu'elle soit dure, tu vois, et en vrai, elle est simple de fou. Hein. Non, elle est hyper simple, Je mets 8,5. Ah, pareil. La faille, on appuie sur le chrono. Mais là, le système de faille est vraiment, pour le coup, le système de faille est vraiment cool. Ouais, mais après, ça, c'est pas vraiment une étape. Juste faire une note globale. Genre, j'ai fait une note, genre en mode pour toi, au niveau edit, chauffe, est-ce qu'elle est vraiment bien? Et en termes de vidéo, tu vois, une note sur la vidéo, genre en mode réaction, comment elle est. En termes de. Ah, pour se chauffer. Ah, c'est pas vraiment hyper bien pour se chauffer, en vrai. Y'a des meilleures maps. Ouais. La map de Raider, ça chauffe vraiment mieux. Bah, en soi, elle est cool parce que, genre, le faire avec ton mate et tout, c'est cool. Sauf le problème, c'est que moi, Zivo, il a un rythme totalement décalé. Genre, il se couche à 7h du map. Du mat, il se réveille à 7h. Du coup, bah, on peut que trahir le sort, tu vois. Genre, si t'as envie de trahir quand tu veux, genre, tu peux pas foutre ta. Ah, c'est ça qui est un peu chiant. Ouais, c'est ça le problème en fait. Et du coup, faut être pareil, faut être ensemble et tout. Mais sinon, en temps de réaction de vidéo, moi j'ai regardé sur une réaction. En vrai, c'est pas mal, hein. Genre, je trouve c'est. Ouais, par contre, c'est dommage que tu mettes pas des pofs, toi. Cool. Tu mettes pas des pofs, les deux pofs en même temps. Parce que Zibon, en fait, il a une mauvaise couille, du coup. Ouais. Il prend trop de temps à m'envoyer. Du coup, moi je l'envoie et télécharge et ensuite il la met sur sa vidéo. Lui, il a une vidéo et il met les deux pofs. En vrai, moi je pense que t'en penses. Je pense que le bouseux, ce qu'il devrait faire, c'est que quand quelqu'un gagne un boost dans la menthe. Il devrait donner au genre le gagnant devrait donner une épreuve dans le lot de Boozy Tournament, tu vois. Genre une épreuve fétiche, tu vois. Ouais. Genre en mode, toi, tu lui dis, genre, je veux cette épreuve là dans le prochain Boozy Tournament, tu vois. Vu que t'as gagné le Boozy Tournament. Je sais pas, moi, y'a pas vraiment une épreuve que y'a pas une épreuve vraiment où t'es vraiment plus chaud que les autres. Bah, en soi, je m'adapte, tu vois. Mais attends, le truc des jetpacks là, attends, le truc maïs jetpack, t'étais vraiment au-dessus, hein. Ouais. C'est là où je gagne une masse de temps. Ouais. Bah en vrai, du coup, bah, la map, en vrai, elle est cool à faire à deux. Genre, c'est sympa, genre, de faire avec quelqu'un et tout. Ouais, j'aime bien. C'est bien, même à regarder. Genre, je sais que mes viewers, j'ai l'impression qu'ils aiment bien parce que
le temps de visionnage moyen sur mes lives et tout, il est élevé, du coup ça ils aiment bien et tout. Bah déjà tu parles, l'inconvénient quand t'es en solo c'est que tu parles pas trop, tu parles mais pas beaucoup tu vois, alors qu'en duo il y a des réactions à deux et tout tu vois. Ouais genre les gens ils aiment mieux je crois. Après la map je mettrais 9 sur 10 9. En global. Ah, parce ouais, que juste surtout pour le concept tu vois. Ouais j'aime bien le concept aussi j'avoue. Surtout le concept en fait d'avoir créé. Mais moi j'aimerais bien que le bouseux il sorte une vraie, tu vois genre une forcément, tu vois va peut-être pas faire beaucoup de vues mais une vraie map tryhard comme Raider tu vois. Moi j'aimerais bien une map, qu'il sorte une map comme ça pas toi. Ouais mais je sais pas. Je pense que ça intéresserait pas la communauté YouTube je pense tu vois mais. Ouais non. Mais j'aimerais vraiment bien une, genre, tu vois, une map où genre mon pote tu la lances. Comme en vrai la bousille tournante 1 à l'époque c'était une map qui te chauffait bien hein. Franchement la déco moi je spawn est vraiment stylé, j'aime bien. C'est aquarium et tout. Mais tu des poissons c'est trop stylé, franchement moi je mettrais 9 tu vois. Moi j'ai pas trop de déco à l'intérieur de la map. Ouais après tu sais moi j'aime pas hein, quand il y a trop de déco, je t'avoue j'aime bien quand c'est sobre hein, perso. J'aime pas quand il y a trop. Tu vois la bousille tournante numéro 2 il y en avait trop et je trouve ça limite moche quoi. Ouais ça c'est surtout lagué. Ouais, non en vrai là celle-là je l'aime bien tu vois le salon est stylé. Je pense que c'est le plus important après le salon. Oui, c'est une bonne note en vrai. Ouais, c'est une bonne note. Non, franchement, elle est plus stylée que la bousille tournante numéro 3, le dernier. Mmh. Non, clairement stylé. Du coup, les potes, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le mettre en commentaire. Et puis aussi, rejoignez-moi sur Twitch. Je suis en live tous les jours sur Twitch. La chaîne est en description. Et puis voilà, j'espère qu'on va bientôt être 40 000 abonnés sur YouTube. Ça me fera juste extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Cocteau. Ciao.